Ça fait 5 000 ans que tu ronfles et que tout le monde te chouchoute. Moi, ça fait 5 ans que je pleure. 5 années de souffrance à regarder ma sœur qui ne me regarde plus. Moi, je suis qu'une pauvre petite terrienne qui n'a pas la chance d'être protégée des dieux. Moi, je vis avec la douleur au quotidien et avec la culpabilité qui jamais ne s'efface. Parce que tout ça, c'est ma faute. Parce que c'était mon chapeau. C'est quoi cette histoire de chapeau ? C'est rien, je vous raconterai plus tard. Nancybus, mon fidèle docteur. Vois si tu peux redonner un peu de vie à cette jeune fille. Qu'elle profite un peu de ce amour qu'on lui porte. Merci. Votre Altesse. Ça vient d'ici ? Les docteurs ici m'ont dit que si on enlevait l'aiguille, elle risquait de mourir définitivement. Mais vous êtes complètement malade! Je vous ai pas demandé de la tuer, mais de la ramener à la vie, espèce de sac en quoi! Calmez-vous, Adèle, et laissez-le faire. Le baiser est obligatoire ? Non, pas vraiment. Une tradition, plutôt. Il vaut mieux faire avant son réveil, car après, je ne suis pas sûr qu'elle accepte. Oui, vous m'étonnez. Bon. Profitons-en pour visiter. Agathe ? Agathe ? Agathe! Je te vois pas te frapper la balle comme ça. Je suis ta sœur tout de même. Oui, t'es ma sœur. Et je t'aime plus que tout au monde. Ça a vraiment été un privilège de vous rencontrer, mademoiselle Adèle. Moi aussi, Patmosis. Et excuse-moi auprès de ton pharaon d'avoir été aussi impoli. Bon. Et remercie-le pour moi. Ce sera fait. Maîtresse. Adèle, à qui tu parles, là ? À personne, chérie. Ne bouge surtout pas. Tout va bien se passer maintenant, je te le promets.